Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Pourquoi? Simplement que c'est mon anniversaire, j'ai 21 ans. Donc on est le mercredi 26 juin. Donc, alors, juste, vous fiez pas au titre. Alors j'ai fait cette vidéo-là juste pour que vous cliquez dessus, tout simplement. En fait, j'ai créé un compte Tipeee. Un compte Tipeee, c'est quoi? Directement, vous pouvez donner des dons, donc de l'argent, une somme pour mon anniversaire. J'ai fait ça, bien sûr, pas pour juste comme ça, pour m'amuser. Donc j'achèterai, je vais m'amuser, simplement. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la chaîne YouTube, bien sûr. Et donc voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle somme, vous pouvez, ça peut être de 200 euros, 1000 euros, il n'y a pas de problème, 2000 euros, 5000 euros, il y a vraiment, vous pouvez être illimité par rapport au tarif. Après, vous pouvez mettre aussi 1 euro, mais bon, enfin voilà, enfin c'est moi, donc vous m'aimez bien, donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher sur l'argent, donc j'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas, oui, sur moi, ça me fera un peu plaisir, j'imagine. Donc voilà. Pas du tout, non, mais juste imaginez le mec, il crée un compte Tipeee pour son anniversaire avec une miniature putaclic juste pour qu'on lui donne de l'argent. Ça serait pas exceptionnel, ça, quand même? Non, plus sérieusement, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la magie. Pourquoi? Parce qu'avant c'était ma grosse passion. Pendant, étant jeune, vraiment je faisais ça du matin au soir. Et beaucoup d'entre vous voulaient voir ça. Donc bah écoutez, c'est parti, on va rentrer directement dans le sujet. J'espère que vous allez adorer. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi la magie avant de commencer. Et puis, allez, c'est parti. Voilà, aujourd'hui on essaye d'oublier tout ce qui est survêtement et t-shirt de sport, ok? On va essayer de s'habiller classe. Pourquoi? C'est un jour exceptionnel. Pas du tout, je fais jamais ça le jour de mon anniversaire. Absolument pas, je m'habille comme la vie de tous les jours. Mais bref, simplement que cette vidéo est exceptionnelle. Pourquoi? C'est la magie. Et la magie, souvent, quand je faisais de la magie, je me mettais en costume. Pourquoi? Voilà, j'ai besoin de quelques techniques, j'aime bien être à l'aise, enfin, ça fait classe. Et pour la magie, c'est, ben, je sais pas, c'est une prestation la magie. Alors la magie, c'est quoi? Simplement, ça s'appelle, c'est de l'illusion en fait. C'est, on vous fait croire, on vous montre quelque chose. Je sais pas si j'aurais dû faire ça avant ou à la fin de la vidéo, sinon vous allez tout capter mes trucs. Enfin, je pense pas. De toute façon, si vous captez mes trucs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et comme je vous l'ai dit, ça fait au moins 5 ans que j'ai pas fait de magie. Donc si c'est pas parfait, et je n'ai jamais dit que j'étais un magicien pro tout simplement, donc c'est normal. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, y a pas de problème. Bref, la magie c'est quoi? C'est l'illusion, comme je vous l'ai dit. On vous montre quelque chose. Pendant qu'on vous montre cette chose-là, on fait autre chose avec l'autre pour essayer de vous berner, tout simplement. Et pourquoi j'ai arrêté la magie? Tout simplement que j'ai été déçu par certaines choses. Je voyais des tournois magiques, j'adorais étant jeune, je me disais c'est un truc de malade et tout. Mais au final, quand je trouvais le secret, je le trouvais même par moi-même souvent, et ben je me disais... Je sais pas, je prends les gens pour des cons, enfin je sais pas. En fait, je me disais, je sais pas, je trouvais ça ringard. C'est con, quand on est jeune, souvent on fait des choses et on trouve ça ringard et on se dit, bon, bah vas-y, j'arrête, c'est ringard et tout ça. Mais absolument pas! Faites ce que vous aimez. Le plus important dans la vie, c'est d'être épanoui et faire ce qu'on aime. Donc, même si les gens trouvent ça ridicule ou que je sais pas, ça fait enfant, ça fait fille ou je sais pas, stop! Faites-le parce que vous aimez, c'est le plus important, ok? Donc, bref, il y a plusieurs catégories de magiciens. Donc moi par exemple, ça s'appelle du close-up. Close-up, ça veut dire quoi? C'est comme on va faire là, c'est du table à table. Enfin, normalement, c'est une personne qui est devant moi. Donc voilà, avec une personne. Moi aujourd'hui je ne prendrai pas de personne. Pourquoi? Parce que vous pourrez penser que la personne est tout simplement pas truquée. Mais voilà, on a fait le truc ensemble, c'est truqué. Donc non, aujourd'hui ça va être face cam. Et vous verrez, je pense que vous allez kiffer. Sinon il y a la grande illusion. Donc la grande illusion, c'est que vous voyez dans les grands spectacles, vous voyez, il y a des dames qui se font couper en quatre, tout ça. Moi c'est pas trop mon délire, j'aime bien, je faisais souvent ça. Mais c'est pas trop mon truc. De toute façon je vous expliquerai à la fin de la vidéo si vous voulez une partie 2. Et là ça va être beaucoup plus grande illusion la partie 2, je pense. Donc voilà, ce sera à vous de voir si vous voulez plus ou pas du tout, si vous n'avez pas aimé. Donc bien sûr, rien à voir avec le sport, mais j'ai quand même voulu vous montrer mon ancienne passion, qui est quand même important, je pense. Ok, donc en premier, on va commencer avec un ballon rose. Donc voilà, efféminé, tout ce qu'il y a de mieux, ok? Arrêtez avec le jugement des autres, s'il vous plaît. On va remonter les manches, bien sûr, vous inquiétez pas. Alors dans cette vidéo-là, il n'y aura aucun trucage. Pourquoi? Bah tout simplement que je suis archi nul. Bah vous allez voir tout de suite, par exemple, regardez. Je vais remplacer cette télécommande-là par... Hop, voilà mon chat Milou. Donc comme vous voyez, je suis vraiment nul en effets spéciaux et trucage. Donc dans cette vidéo là, ça sera que du réel. Donc voilà. T'as pas l'air trop à l'aise là, ça va? Ouais, je vais le laisser. Allez, c'est parti, on va gonfler le ballon. Donc j'ai pris en or, parce que ouais, c'est une vidéo exceptionnelle. Allez, vas-y, on va prendre en or. Ah, faut avoir de l'air, hein. Allez, je fais un nœud. Et là du coup, ce qui va se passer, c'est que... Ah putain, l'organisation chez moi, zéro. Je vais aller chercher un couteau, j'arrive tout de suite. Ok, donc j'ai mon couteau avec mon ballon. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce ballon-là? Champagne. Absolument pas, champomie les gars. On est sur une chaîne de sport, on va pas boire de l'alcool quand même. Allez, prochain. Bon là, vous pourrez me dire, c'est du trucage avec la veste. Écoutez, je vais en faire un deuxième tout de suite, sans la veste. Ah. J'ai un peu, j'avoue que j'ai un peu chaud, donc comme ça, c'est une bonne excuse pour ça. Allez. Ok, donc le ballon est gonflé, on prend le couteau. Ouh. Et donc là, une canne rouge, bien sûr. Tout est vrai à chaque fois. C'est pas des trucs genre, vous savez, tout mou. Un peu comme
prochain. Ok, donc la grande illusion est terminée, j'espère que vous avez bien aimé. Donc ce que je vais nous faire faire avec la bouteille et la canne, donc normalement ça se fait dans un spectacle avec un public, donc d'assez loin. Là je vous l'ai fait très près en vidéo. En vidéo c'est vraiment très, parce que vous pouvez voir plusieurs fois la vidéo. Et je compte sur vous, je sais que vous allez le faire, vous allez regarder plusieurs fois la vidéo. J'en suis sûr, c'est une évidence. Donc voilà, je vais passer à mon truc favori qui est le close-up, donc ce que je vais vous montrer avec les cartes. C'est beaucoup plus technique, donc moi je trouve que c'est, il y a beaucoup plus de mérite, c'est technique. Là je dis pas que c'est technique, mais on va dire que l'illusion est beaucoup plus facile à créer avec la grande illusion qu'avec le close-up. Celui-là m'a mis le plus de temps à préparer, vous allez comprendre pourquoi. Un iPhone 8 Plus d'un ballon de baudruche. Donc c'est mon téléphone, donc c'est pas un faux, c'est pas un factice, c'est un vrai téléphone, je vais vous montrer la preuve. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. L'année prochaine. Ok, bref, il vient de dire, je pensais que c'était l'année prochaine. On n'entend pas trop à cause, il est dans le ballon. C'est parti, je vous montre ce qui se passe quand on gonfle le ballon. Le téléphone sort. Ok, donc pour ce tour de magie, soyez très attentifs ici et pas sur ma tête de guignol. Elle sera un peu coupée, c'est pas grave, on n'en aura pas besoin. Donc, soyez très attentifs. On ouvre ici, nous avons une pièce chinoise et une pièce américaine. Ok? Sur la table, nous avons laissé la pièce américaine. On va ranger la pièce chinoise dans la pochette. On ferme la pochette. Ok? Donc, ici la pièce américaine, la pièce chinoise ici. Nous allons prendre une carte, n'importe laquelle. Voilà le 3 de pique. Regardez bien. Si on arrive à frotter dessus, regardez bien, aucune illusion, ma main reste là, on frotte dessus, et on arrive à découvrir la pièce chinoise. Si on tape ici, si on vérifie à l'intérieur nous avons la pièce américaine. Pour cette illusion, nous allons avoir besoin de 4 cartes, donc 1, 2, 3, 4 cartes. Quelles sont ces cartes ? As de carreau, as de carreau, as de carreau, as de carreau. Non, en réalité, c'est 4 as. L'illusion va pouvoir commencer. On prend ces 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 cartes. Si on en prend simplement une, on la retourne. On bouge un peu. 1, 2, 3, 4, 4. Elles sont toutes retournées. Si on en prend une, on la retourne. On vérifie les 4. 1, 2, 3, 4. On peut faire ça indéfiniment. On la retourne. On secoue. 1, 2, 3. Donc les as sont très magiques. Mais le plus magique, c'est l'as de pique. Pourquoi ? Parce que l'as de pique peut se transformer. Et ça, c'est énorme. Donc les tours sont terminés, mais ne partez pas. Je vais vous apprendre un tour. Donc, que vous pouvez le faire à vos proches, il n'y a pas de problème. En vidéo, à vos copains sur Snapchat. C'est ce qui est magique, c'est ce qui marche même avec les gens qui sont derrière un écran. Donc c'est parti. Vous prenez 5 cartes. Donc là, je vais vous montrer 5 cartes, une par une. Choisissez-en une seule. Retenez-la bien dans votre tête, gardez-la, une seule carte, ok? Je pose le paquet. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez bien réfléchi à votre carte? Normalement, je vais vous montrer. Il en reste plus que 4. 1, 2. Et votre carte n'est plus là. Explication? Vous prenez 5 trop de cartes. Donc 5 cartes. Est-ce que vous avez compris? Donc par exemple, le 5 de cœur, vous remplacez avec le 5 de pique, le valet de pique avec le valet de carreau. Et les cartes, en fait, vous les changez complètement. Donc les 5 cartes sont différentes des autres. Donc c'est facile, ils en choisissent une, vous prenez l'autre paquet, quoi qu'il arrive, la carte ne sera pas là. Mon explication, j'espère qu'elle a été claire. Si elle n'a pas été claire, dites-le moi en commentaire encore une fois. Si vous voulez une partie 2, dites-le moi, vous verrez des choses encore plus exceptionnelles qu'ici. Je vais essayer pour vous, si vous me faites une partie 2, je vous le promets. Donc si vous me mettez 100 likes sur cette vidéo-là, pour vous montrer que vous en voulez plus, je vous ferai apparaître une colombe. C'est parti. À vous de jouer. N'oubliez pas, prenez soin de vous.